Bon matin à toutes et tous, eh bien voilà. Nous nous retrouvons pour le dernier message de cette semaine. Nous sommes le vendredi 25 octobre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Petite pensée du matin, n'est-ce pas, pour commencer, la petite pensée positive, sans rancœur. Dès aujourd'hui, éloignez de soi toute rancœur et tout désir de vengeance. Encombrer son esprit de pensées négatives nuit d'abord à soi-même. Cela altère, eh bien, notre jugement, épuise notre énergie vitale et nous fait perdre de vue l'essentiel. Et qu'est-ce que l'essentiel? Eh bien, l'essentiel, c'est la recherche du bonheur, n'est-ce pas, en toutes circonstances. Très beau message, n'est-ce pas? Très belle pensée positive pour terminer cette semaine. Et j'ai pigé la carte numéro 17. Fredonne ta vie comme tu le ferais, avec une chanson qui te tient à cœur. C'est ainsi que l'univers aime t'entendre. Eh bien oui, l'univers, il aime le rire, il aime quand on est joyeux, il aime quand on est positif, positive, voilà. Et là, la carte est bien représentatrice, n'est-ce pas? Elle représente bien, voilà, l'amour, la bienveillance, le rire. On sent que cette personne est bien dans tout son être, est joyeuse. Donc voilà, fredonne ta vie, n'est-ce pas? Allez, le petit conseil pour le côté finance. C'est le moment d'arrêter de vous plaindre ou d'envier les autres. Il serait peut-être bon que vous mettiez de l'action, créer un avenir qui vous semble juste à vos yeux et non à ceux de votre entourage, n'est-ce pas? Mettez-y de l'action. Côté professionnel, le conseil de cette carte, si vous trouvez votre travail trop linéaire et qu'il manque de pétillant à vos yeux, eh bien, pourquoi vous ne décidez pas de modifier votre façon de faire les choses? Pourquoi? Vous savez, à trop répéter sans changement, pardon, eh bien, les journées vous sembleront longues. Donc, vous savez quoi faire, n'est-ce pas? Côté sentimental, c'est le moment de fleurir votre chemin sentimental avec des envies, des mots et des gestes. Ne restez pas sur vos acquis. Soyez créatif, créative. Ça mettra un petit peu de piment dans votre couple en étant créatif. Soyez imaginatif, imaginative. Pour votre couple, c'est tout ce qui demande. Et puis si vous êtes célibataire, eh bien, soyez créatif pour et imaginatif. Imaginative pour bien rencontrer la personne qui est certainement sur votre chemin. Et je termine avec le petit conseil spirituel. Donnez-vous le droit de chanter l'amour et de danser l'envie. Ce que vous êtes fera briller l'espoir pour ceux qui se cherchent. Voilà. Vous avez le droit, n'est-ce pas, de chanter? Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit de danser, vous avez le droit d'être heureux, heureuse.
Donnez-vous ce droit-là. Waouh, quel beau message pour terminer, n'est-ce pas? Et bon conseil pour terminer cette semaine. Et voilà le petit message de Ho'oponopono. C'est dans le présent que se trouvent tous les possibles. C'est dans le présent que nous pouvons décider, faire et agir. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous vivons. Le passé et le futur ne sont que des illusions. Eh bien, voilà, je termine sur cette petite note de Ho'oponopono. Je vous souhaite une excellente journée et puis un joli week-end, hein, de rire, de joie. Hein, et puis profiter de chaque moment. C'est important. Et puis nous autres, on se retrouve dans une prochaine capsule, et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez. Et moi, je vous dis à très vite et je vous embrasse. À très très vite.